Nous devons travailler, travailler pour réussir. Nous voilà, l'invité est là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lassan. Monsieur Lawson. Sapsa. Sapsa, c'est Sapsa. Vous parlez, tu appelles. Comme vous venez ici, vous êtes à la maison, vous attendez pas, vous c'est facile. Va un peu derrière. Ok. Maintenant, parle gros. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sassan. Voilà, c'est maintenant on sent que tu es homme. Comment tu vas? Ah, je vous porte bien. Le nom c'est C'est Augustin Folie. Augustin Folie, classe Première à quatre. première A4, établissement CPI Sitapa. CPI Sitapa, quartier. C'est Bogadji. Quel est le nom du professeur de maths? Monsieur. C'est monsieur Kassi. Monsieur, professeur de maths. Ah, c'est monsieur. C'est Monsieur Bordéji. Non, tu ne connais pas le nom de ton professeur. C'est grave, hein? C'est monsieur. C'est. Monsieur. Namissi, Et quoi le nom du c'est père? Non, c'est monsieur Namissi. Monsieur Namissi, tu es sûr? C'est l'émotion. Hein? C'est l'émotion. On dit ça ne va pas. C'est monsieur. C'est monsieur Namissi. Monsieur Namissi, ça peut aller? Ouais. La technique, ça peut aller? On dit non. Monsieur, oui, il n'est pas content. Il dit monsieur C'est monsieur Namessi. Namessi. Oui. Il est là, ça fait combien d'années? Ça fait 2 sur 3 ans. 3 ans. Ok, merci. Il est convaincu maintenant. Bonsoir à toi, monsieur Namessi. Bonsoir de moi, ton lycée. CPI, si ça part. Pourquoi avoir choisi la série A? Évidemment, moi, j'aimerais être un journaliste. Un journaliste. Ouais. Et début là, et tu appelles deux de micros comme ça. de la vidéo. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, tu veux devenir journaliste, c'est ton souhait. Donc tu dois travailler beaucoup, lire beaucoup. D'accord? Quel est le roman africain que tu as déjà lu? Sur ta Keta. C'est quel le roman, le titre c'est Sur ta Keta? Non, le titre c'est Le Grand Madin. L'histoire du Grand Madin. Le Grand Madin, écrit par. Et Si tu ne connais pas ça, que tu n'as pas lu. non, le Guinéen. Il a oublié. Ok, après tu m'envoies le nom par texto. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes, tes hobbies, c'est quoi? Tes plaisirs, tes loisirs, qu'est-ce que tu aimes faire? Bon, en fait, j'aime l'art artistique. L'art artistique. Ok, comme tu as quelqu'un comme Issimi, c'est pourquoi? Ton plat préféré, c'est quoi? Façon brésil. Ah, c'est La grave. question qui nous a là, on t'a tué. Ah, Maintenant, à l'école, quel professeur tu admires beaucoup? C'est notre professeur d'anglais, monsieur Issimi. Monsieur Issimi, monsieur Akassi, Monsieur Akassi, Abdou voilà. Rahman. Oui, voilà. Tu l'aimes? Trop bien. Ah, ok. S'il était une femme, là, ça veut dire que c'est plus bien. Moi, je Ok, vais. voici, nous sommes dans la rubrique. Consentis, tu as les 5 enveloppes, prends ça. Compte. Il faut compter, voici ces 5 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ça fait 5 enveloppes, ça fait 5 000 francs. Non. D'accord? Oui. Ces 5 enveloppes, Oui, ça fait voilà. 5 000. Tiens-les. Bien, bien. Ok. Ok. Maintenant, ton ami s'appelle Oui, je m'appelle Aboti Kodjo Ruben. Aboti Kodjo Ruben. Ruben. Oui. Classe 2. Non, je suis un enseignant. Ah, enseignant. Oui. Où? À l'Institut La Sorbonne. À Sorbonne, ok. Salut à tous les élèves, les autres professeurs là ici. Ok, moi aussi je les aime. Ok. C'est ton accompagnateur, donc sache que quand tu réussis, c'est lui qui est là, tu lui remets l'enveloppe. D'accord. D'accord? Nous allons commencer quand je vais donner top chrono de l'autre côté. On va lancer. Tu ne dois pas attaquer avant le chrono. Donc quand je dis top chrono là-bas, quand on commence. Je te dis réponse, toi tu donnes. Mais si ça finit avant que tu ne donnes, ça veut dire que c'est annulé. Tu perds l'enveloppe. Ouais. Ça peut aller? Ok! J'aime ça. Maintenant, quand on ne souffle pas, celui qui va souffler dans ce studio, on annule. Ça veut dire que tu prends 1 000 francs chez lui. Donc c'est comme ça. D'accord? Donc c'est pour toi. Ne regarde personne. Si tu regardes quelqu'un, j'annule. Donc c'est moi, là, tu me regardes et puis tu donnes la réponse. Donc là, Il y a une belle quand chose. j'attends, on coupe. D'accord. Ok. Okay.
Question numéro 1. Tu aimes le football? Quel est le joueur togolais qui demeure le seul buteur du Togo lors de la Coupe du Monde 2006 jusqu'à ce jour? Quel est le joueur togolais qui demeure le seul buteur du Togo lors de la Coupe du Monde 2006 jusqu'à ce jour? A. Adebayor Chehi. B. Agassa Kossi. C. Kader Koubadia. Top chrono, c'est parti. C'est ça. Il a trouvé. Ok, nous allons continuer. Question numéro 2. Oui, il a trouvé. Il a trouvé l'enveloppe. C'est pour lui. C'est le gars. C'est à cause de tiser, quand on devient. Ok, voilà. Ok, on y va. Quel est l'auteur du roman La Victime? A. Joseph Kofigo. B. Bernard Dadier. C. Yves-Emmanuel Dogbé. Quel est l'auteur du roman La Victime? Ne regarde pas le professeur. Le professeur, lui, le professeur, ne fais pas ta tête. Reste tranquille. Si tu bouges encore, je coupe ça. Okay. Ouais, ouais. Et moi, je retire. Hein? D'accord? Ouais. Si tu bouges, je vois ta tête bouger, je coupe. Ouais. Ok. Quel est l'auteur du roman La Victime? A. Joseph Kofi Kofigo. B. Bernard Dadier. C. Yves Emmanuel Dogbé. Top chrono. Et. Il a dit C. Est-ce qu'il a trouvé? Oui, il a trouvé. Il a trouvé. C'est quoi déjà le C là? Qui? Yves Emmanuel Dogbé. Ah. Ouais, c'est... La Victime. Tu as déjà conscientisé deux enveloppes. Ok, ça avance bien. Ok, comment appelle-t-on un habitant de Kinshasa? Comment appelle-t-on un habitant de Kinshasa? A. Kinshasien. B. Kinois. C. Kinshasois. A. Kinshasien. B. Kinois. C. Kinshasois. Top chrono. C'est A. Il a dit A. Est-ce qu'il a trouvé? Non, Kima, non, oui, je Kima, sais. Kima, la réponse est qui? Moi. Non, mais... Putain. Merci pour la vente de qui les gars de ça. Oui. Ok. Kima. Ça continue. Et nous sommes au niveau de question numéro 4. Question 4. Combien font 1000 fois 10? Combien font 1000 fois 10? Question numéro A. Réponse A, 1100. Question numéro B, réponse numéro B, 1000. Réponse numéro C, 1001. Combien font 10, 1000 fois 10? Tu me regardes? Oui. A, 1100. B, 1000. C, 1001. Top chrono et c'est parti. A. Il a dit A. Est-ce qu'il a trouvé? Le professeur a dit non. Il n'a pas trouvé. C'est 1000. C'est-à-dire que ça fait 100. On enlève le zéro qu'on prend ici et puis c'est fini. Ah, c'est 100. Oui. Ah ouais. On continue question numéro 5. Et c'est là. Ah oui, j'avais oublié. Ok, maintenant la dernière question. Tu aimes la musique? Oui. De Palimé? Ah oui. Ok. Musique de Palimé, peut-être que les artistes sont à l'écoute. Quel artiste de Palimé a chanté le titre C'est mes serons? Quel artiste de Palimé a chanté l'artiste et a chanté le son C'est mes serons? A. Masta Cool. B. Dice Brun. C. Mon Pao DJ. Quel artiste de Palimé a chanté C'est mes serons? A. Masta Cool. B. Dice Brun. C. DJ Mompao. Top chrono. C'est le C, il a dit. Le technicien a dit non. C'est pas B là. C'est B. C'est Dice Brun qui a chanté C. Mais sur mon nom de l'enfant. Merci.
Ouais. Nous venons de terminer comme ça les 5 enveloppes. Tu as conscientisé combien? 2 enveloppes. Ça veut dire que sur 5000, tu as gagné que 2000 francs. Mais tu n'as pas démérité, c'est déjà bien. Quelles sont tes impressions? D'abord, je salue toute la famille, cosmétiquement parlant. Oui, la famille, cosmétiquement parlant. Et ma persévérance à mon monsieur Issimi. Issimi Ijoy qui est de l'autre côté de l'Oumé. Oui, je n'ai pas également oublié mon maman chérie et mon père cher. Qui sont à la maison. J'espère qu'ils soient à l'écoute maintenant. Ils sont à l'écoute. Merci à vous, les parents. Et le Didier. Oui, le technicien, il t'aime aussi. Je n'ai pas également oublié tous ceux qui me connaissent. Oui. Mes camarades de la classe de première à 4 Citapa. Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Bien sûr. Il faut, qu'est-ce que tu vas leur dire par rapport à cosmétiquement, cosmétiste, 5 000 francs? Sûrement, je vais leur inviter. Oui. Et s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à aussi. Participer. Ok, c'est à toi d'aller leur montrer que tu as cotisé les 2000 francs et que tu les invites aussi à venir prendre les 5000 francs. Moi, les 5000 francs, c'est ce que je veux. D'accord. Il y a le tien, monsieur Ruben. Monsieur Abouti, Ruben. Ok, monsieur Abouti, merci d'avoir accompagné ton frère. Et cotise tes 5000 francs, ça s'arrête ici. Nous allons passer à la cuisine dans tout de suite. Je prépare les casseroles et tout. Nous allons rentrer après que M. Augustin a salivé. On va lui donner le plat de qu'il aime, ses poulets braisés. Cuisine.